Guim, ça t'intéresse une course de voiture? Bah, on se rejoint où? En 93-80. 93-80, notez bien les gars. Vous voulez un véhicule et vous nous rejoignez à 23h15. 93-80, ok. Dans 10 minutes. Oh là là, ouais, d'accord, gars. Si, ça te tente? Ouais. Bah là, vous me donnez vachement envie de venir du coup. Ouais, j'arrive. À tout. À tout de suite. À tout de suite, monsieur Miguel. Seigneur Palnas, comment allez-vous? Monsieur Miguel, ça va bien et vous? Si, j'ai eu l'occasion de rencontrer votre ex-employé qui sait pas faire le DBL, peut pas faire le DBL, c'est compliqué faire le DBL. Je peux pas vous regarder, je suis sur une chose là qui est un peu compliquée. Et ah bon? Il vous appelle un peu plus tard. Ouais, pas de soucis. Si, voilà. Vous pouvez peut-être me rendre un service. Papa, ouais, dites-moi. Il est fort probable que il y ait de l'activité un peu suspecte. Oui. Si vous allez vouloir me vendre. Non, il ne vous vend rien. C'est une affaire. Arrêtez de me jouer au coq. Quoi, ça arrive des choses dernièrement. Je vois venir une activité un peu suspecte, quoi. Vous allez faire caca dans un ravin? Non. Non, c'est... Est-ce que vous auriez l'amabilité de dire à la police que vous voyez des activités suspectes, que vous avez vu des activités suspectes du côté du point DE? Mais vous comptez braquer la boque? Non, pas du tout. Il organise une petite course entre amis. Et il me dit qu'il avait pimenté un peu les... D'accord. Donc vous voulez que je prévienne le BSSO de mettre l'hélicoptère au-dessus du point DE, histoire qu'il puisse voir des voitures passer? Exactement. Ah, mais ça, il n'y a pas de souci. Il aime bien pimenter un peu le jeu. Mais vous braquez pas la banque. Ah non, c'est pas une banque. Voilà. Pas de souci. Vous braquez rien? Non, il vous assoule. D'accord, ok. Il n'écoute pas l'heure. Bon courage. Allez, amusez-vous bien. T'as l'heure. Il est pimenté un peu l'histoire. Vas-y. Il y a le BCSO qui est chaud. Donc, le BCSO est en hélicoptère du côté du point D. Il trouve une solution pour qu'il soit au courant. Il veut pas vous mentir, mais il veut pimenter un peu l'histoire, sinon c'est fait chier, non? Bah bien sûr. Voilà, c'est là qu'il me dit qu'il aurait dû laisser mon pistolet au vestiaire, mais c'est où non? Ah merde, ouais, ouais, moi aussi. Si j'ai de l'argent sale, j'ai la totale. Ah, mais c'est ce qu'il faut. C'est qu'il y a du peuple. Allez, bah là, s'ils ont une voiture familiale, ça c'est bien pensé. Ah, par contre, il y a une patrouille de flics qui passe, ils envoient le SWAT. Voilà, ça va encore claquer du cul. Je vous explique les principes. Est assez simple. Nous allons partir d'ici et tout le monde va devoir partir vers les routes du bas. Donc les routes du bas, c'est que vous allez devoir courir jusqu'à la grande route en dessous. À cet endroit-là, vous pourrez voler une voiture. Ah yes. Merde, ouais. Bah oui les gars, j'avais oublié. Donc d'abord, là on va partir à pied tous en même temps. Pas loin de remonter juste derrière nous ici, d'attendre comme une connale. Bah non, mais tout le monde parle dans le même sens. Une fois que vous avez un véhicule, la direction est assez simple. Vous prenez les chemins que vous voulez. Les lignes d'arrivée, c'est la nouvelle brasserie. Met une somme. On va décider ensemble d'une somme. 1 000 $. Le premier qui arrive prend tout. Bien entendu, pour votre information, la police a été prévenue. Pour donner un peu de piment, il est possible qu'il y ait une ou deux hélicoptères dans les airs. Regarde avant. Vous n'avez pas d'obligation de participer. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous le faites, n'allez pas gueuler que vous l'avez fait. Oh, t'inquiète pas. Non, mais il est prévient. Comme ça, au moins, s'il y en a un qui me fait chier... Et on peut tirer sur les flics? Tu fais ce que tu veux. Moi, c'est pas un souci. C'est possible qu'après, on fasse une mix en garde à vue. C'est pas un problème. Tout ça, la fédération. On est combien? 22, c'est ça? Une grande cellule, tranquille. Excusez-moi un instant. Rodriguez, bonsoir. Commissaire Wyatt, et c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces véhicules de course qui sont du côté du point DE? Comment ça, point DE? Mais c'est quoi cet arrêt là? Des sans foi ni loi qui roulent comme des connards. Ah mon dieu, qu'est-ce qui. Voilà. Et on va pimenter un peu la solution, non? Et c'est possible qu'on appelle les shérifs adjoints de l'autre côté, mais bon, calmons-nous un petit peu parce qu'ils vont salter l'armée. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, mettez-vous en ligne. Plutôt en blocus, sinon il va pas entendre. Il vous rappelle les règles. Il dit 3, 2, 1, go. À go, tout le monde parle en courant. Quand vous arrivez au bitume en bas, vous pouvez voler une voiture. Quand vous avez une voiture, la ligne d'arrivée, c'est les Pilweiser.
Et quand vous êtes au Pigweiser, vous avez gagné. Si vous si à la police, c'est pas gagné. À vos marques. 3, 2, 1, 5 euros. Pour le roi. Quel bordel. C'est pas grave, il t'amène. On en trouvera une autre. On s'en fout. On fait voir tout le commune. Vas-y. Il faut vraiment qu'on trouve autre chose parce que c'est pas possible là. C'est un tour. Ce qui m'emmerde d'être dans les premiers, c'est qu'on va voir la police au cul très vite. Mais non, c'est bon, ça passe inaperçu ça. Attends, les fusillades. Ah, putain de merde. Wow. Il voulait voler une fusillade. Oh, oui. Ah mais non. Ah putain, enculé. Oh, ça va passer. Oh, il n'y a plus d'essence, putain. Quelqu'un qui tombe dans une voiture, t'as, hein? De quoi t'as décroché? Putain, et à chaque fois qu'il vole une voiture, il n'y a pas d'essence. Oh là là, oh là là. Il fallait être en partie, il portait une voiture tout devant, point E. Ouais, point F, hélico sur nous avec une futo, on se suit. Oh là là, le 4x4 il a volé. Il y a une 4x4 qui a appuyé à voler. C'est peut-être moi qui l'ai poussé. Ouais. Descendre. Et il croit qu'il ait percuté la police. Bye. Attends, t'es pas une bonne idée, hein. C'est une très mauvaise idée ça. Ah bah chacun pour soi là. Oh putain, une meurtre en plus. De l'aide, Miguel, ça va? Comment t'en crêtes, Miguel? Il y a plein de voitures de flics. Il faudrait peut-être qu'on bouge, non mais... Pas trop rester sur place, ouais. On se disperse. Bah, bonne chance pour tout le monde, hein. Vas-y, voilà. Mon frigo. Si, ça c'est bien, ça. C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. On n'a pas trop d'essence. Et je sais pas si l'hélicoptère est sur le nous, mais c'est bon, ça passe. Et qui a gagné? C'est Wilton, la gagné. Allez hop, on paye Wilson. Pour une super pièce. Et après, on peut envisager le retour, non? Si vous voulez, on fait le retour, non? C'est possible. C'est toi qui a gagné. Ah, petit barraquage ou quoi? Bon, Wilson, je te fais ça, ça ne dérange pas. Est-ce qu'il peut être rigolo, c'est de blaquer la supérette juste pour voir les flics arriver? Enfin, non! C'est qui le 4x4 que j'ai explosé au début? Je sais pas. C'était très drôle. J'en ai vu un qui a pris un gros coup. Ah, c'était franchement. C'est qui a fait voler mon break à travers C'était magnifique. Impressionnant, hein. Bleu chez vous. Vert. Non, attends, il y a l'appel note. Il y a le. Waouh. Non, sors. Mais non. Mais c'était sûr. Mais non. Non. Ouais, alors écartez-vous quand même. Putain. Mais... Et t'as tous les flics qui arrivent. CBCSO sur Interservice, je compte au moins 10 ou 12 victimes au sol en 40-24. Parce que vous aurez les effectifs suffisants. 12 victimes. Et du coup, ça enferme la paperasse parce qu'il va falloir contrôler tout le monde, c'est le bordel quoi, hein. C'est pas cool. Que dalle, cassez-vous. Pardon? Les médecins, vous occupez de soigner tout le monde. Dès que c'est bon, vous nous le dites, c'est comme ça après on peut les laisser partir. Et ce sera plus simple, je pense. Mais moi, y est pas, parce que si, c'est mieux. C'est... Mais tout le peu des biens fines, c'est pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit contretemps. Dès que la police est partie, nous pouvons reprendre nos activités, notre course de Los Santos. On va attendre. On n'a pas non plus. T'as bon, c'est celui qui prend un véhicule de police, c'est 10 points dans la street cred. 3000, je crois. Je crois que j'ai pas tout eu. Hein. Alors que quelqu'un a quelque chose contre la douleur, un pet, n'importe. Ouais. Il y en a qui ont pas joué le jeu. Hein. J'ai que 15 000 dollars. Pourquoi on a un hélicoptère? Non, il est venu. Oh, il y a une zone torno. Il y a une zone torno. Et il nous manque les triades, mais si il sait jamais. Comment ils disent, comment ils s'appellent? Aussi, tu le sais où, non? Kokwangpei. Kangapé, là, je sais pas quoi. Si, c'est ça, comment on dit?
Quand qu'on paye? Quand qu'on paye? Quelque chose comme ça. C'est quand qu'on paye? C'est quand qu'on paye? Quand qu'on paye? Quand qu'on paye? Quand qu'on paye? Regardez ça, quand qu'on paye. Donc il manque. Ah bah voilà, c'est quand qu'on paye. Ouais. On a pas toutes les mêmes informations, on doit croire. Et quand qu'on paye? Non, il n'y a pas encore donné des informations. Ah ouais, d'accord. Ouais, bonsoir, monsieur dame, ouais, bonsoir. Peut-être que des deux ou deux retards. Salut. C'est bon à tout le monde. Le temps qu'il arrive. Super, bienvenue au Grand Prix de Los Santos organisé par le Comité International de la Mano. Ça fait plaisir. Et comme hier, on compte sur les fair play de tout le monde. Vous allez avoir des points de passage et il faut respecter ces points de passage. À partir de là, chaque voiture engage 5 000 $. Et normalement, c'est un conducteur et un binôme. Si c'est une personne, tout seul, bon courage. Et comme hier, on compte aussi sur les personnes et tout le monde va payer. Si un mauvais payeur, c'est pas une bonne idée. Si un tricheur, c'est pas une bonne idée. Pensez que c'est quand même une relation de pas mal de gangs. Donc, on va faire une course qui va partir d'ici, avec un 3, 2, 1, go qui sera sur les radios numéro 1 pour tout le monde. Et à partir de là, écoutez bien où vous allez. Sur cette course, et avec l'autorisation d'intégralité des gangs, vous allez passer dans les zones des gangs comme checkpoint. Vous partez d'ici et on commence par passer chez les Verts, puis Bleu Ciel, donc Vespucci, puis Vagos, Yon, puis Campey, Rouge, puis Bleu Mano, il veut le dire, puis on monte chez les Lost, Stab City, puis ligne d'arrivée, haut du Mont Chiliad, 1087. Wow. Il y a des parcours. Il y a du vent là. Il y a du vent, ouais. Donc, on parle d'ici, premier point de passage, vert, puis bleu ciel, et jaune, rouge, bleu mano, noir, et ligne d'arrivée, haut du Mont Chiliad, 1087. Est-ce que tout le monde a tout, ou est-ce qu'il y a besoin qu'il le dise? C'est bon, j'ai tout noté. Ah. 3, 2, 1, go! Oh, c'est massacre. Oh là là, je suis désolé, les copains. Non, mais c'est les notes en plus. C'est la merde, quand même. Les gens en compartiment sur la route qui perdent un jeu, non? Ouais, on va dire ça. La Zantorno a pris une sacrée avance. Elle est où la Zantorno? Je sais pas. Elle arrive à Vespucci. On est à Vespucci là. Putain, mais que quelqu'un appelle la police, bordel! Quoi, d'accord, t'es bleu clair, ensuite t'es jaune. Et après t'es rouge, c'est rouge. Si. Après bleu clair, t'es jaune, t'es rouge. Tu peux rouge, suivre hein. La route, ouais, Nicole. Ouais, mais il voit rien à la nuit, putain, on a dû faire ça du jour. T'es jaune. Après bleu clair, t'es jaune. Bleu clair, jaune. Et ensuite rouge. Ouais, d'accord, ouais. Et on parle toujours de la course ou on est en mode apéro? On a d'affaires et cube. Ça redémarre? Non, elle démarre pas. Ah merde, vas-y. Conduis. Vas-y. Ah, mais quel bordel! Reaper direction les Lost. On a plus d'essence, Pablo. Attends, on vient de partir. Nous, on se balade du côté des Little Seoul, c'est joli. On vient de croiser la banalisée là. Et y'en a un, il a tout le monde. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les chasseurs de sortie qui sont en train de poursuivre là. Cool, ça fait du challenge. On va faire un plein d'essence derrière eux, on fait quoi? Une quatrième sérigraphie. Kim, c'est juste pour le tenir qu'on fait les pleins du côté des Lidl Séoul. Tiens là. Si on fait exploser l'hélico du SPD, combien de points? Celui qui pique de toute façon le véhicule officiel, c'est... Vous voulez qu'on fasse un concours des véhicules officiels? La course est finie pour nous, les gars. Bon courage, les gars. Pourquoi? Les polices? Il y a une voiture qui arrive presque en haut du Mont Chiliad là. Ah, c'est vous. Une voiture de flic en tortue. C'est qui les premiers? Kang Pae, c'est Kim, je crois. Oh, t'as pas de temps. C'est encore pays. Félicitations! Ah, voilà, on arrive. Hein. Aïe. Fan! Il sait même pas comment on est en vie. Ah, c'est ouais. Pas possible. Et deuxième, les balasses.
Troisième, la mano. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, on redétend ou pas? Parce que t'es la police allemande. Mais la police, c'est des débiles, ils ont même pas vu. La police, nous, on est en train de monter, tout va bien. Non, en descendant, non. Quoi? Non, Miguel. Vraiment, Miguel. On va monter à pied, nous. On finit tous à pied, là. Il est potentiellement possible qu'il y ait une voiture du shérif qui est finie dans un ravin. T'inquiète, elle s'est pris dedans juste avant. Camus, une voiture du shérif qui monte. 1 km à pied. Ça ouse, ça ouse. 1 km à pied. Ça ouse les souliers. Wow. Attendez, on est en train de remonter avec le verre qui s'est fait bloquer l'accès. Et il va vous dire tout à l'heure, parce que s'il me dit qu'il passe pas, il va comprendre très vite. Mais au pire, s'il faut, on descend tous et on... Oh, peut-être qu'on va faire, on va détendre. Ils de vont quoi, comprendre. Il y a deux voitures plus un hélico, hein, ça se prend. Hein. Puis moi, j'ai entendu dans les petites lignes que celui qui prenait la voiture, il gagnait la race, même s'il est arrivé dernier. Non, t'avais dit ça, non. Ah, c'était dans les petites lignes, Kim. Et Kim, il veut son pognon. T'es dans une partie, mais... Du attends, coup, non, du coup le col est lancé, hein, j'ai envie de dire. Il y a deux voitures. T'es intolérable. Mais non, on modifie pas les... Non, toi, ton pognon, il fait une blague. Et c'est nous, sur la route plus loin, et déconnez pas. Vous pouvez passer à côté, hein, ils font rien. C'est bon, vous pouvez passer à côté, ils font rien. Bon, ça les pousse, hein. Bonjour. Y'a pas une quatre portes, là? Je peux prendre une quatre portes. Ah, une. Bah, nous, on continue à pied, écoutez. Il va demander à la police de nous déposer, moi, à un moment donné. Putain, y'a pas de place. Oh là 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 là. Pour lui l'aventure ça va être ici. Oh putain. Oh la vache. Bonjour monsieur. Voilà. Excusez-moi, il n'y a pas le droit de monter. Et d'où il n'y a pas le droit de monter? Sur le chemin de randonnée, on fait des randonnées, merde. Oui, mais pour l'instant c'est fermé, il n'y a pas le droit. Mais c'est pas fermé, c'est un chemin de randonnée. Arrêtez de venir avec vos 4x4, nous on fait une randonnée, on fait une trek. Non mais c'est fermé monsieur, s'il vous plaît. Mais comment ça c'est fermé? C'est pas fermé, c'est un chemin de randonnée. Vous foutez de ma gueule, c'est pas fermé, c'est un chemin de randonnée. Je suis d'accord que c'est un chemin de randonnée, mais pour l'instant, le sentier est fermé. Mais il est fermé de rien du tout, nous on fait un trek. Moi, il y avait jusqu'au bout, moi il est dit pour mon neveu. Tu montes, et je me suis dit, t'y vas. C'est un moteur de tarif qu'à basculer, ouais. Attention à vous, c'est interdit pour la voiture. Bon, le mec, il m'a dit on monte pas, il a l'autorité de moule. Il a dit, étant mal, nous on monte, on est monté. Je crois qu'il a compris. C'est vraiment, c'est un problème d'autorité. C'est des policiers en mousse, non? C'est un peu facile, ouais. Et au pire, on va tous boire un coup au Black Cat. Salut Marc. Yo Marc, tu m'entends? Pourquoi tu parles à la radio? Ouais, tout le monde t'entend. Ouais, nous on t'entend, Marc. Ça va, Marc? Ça va, toi, quartier? Bah là. Ouais, ouais, attends, bah, nous, café, ferme ta gueule, on s'en joue à où du coup pour paiement? C'est Black Cat? Black Cat, ouais. Allez, okay, okay. Tout ça, Black Cat. Vas-y à toutes les mecs. Vas-y à toutes. Tu Miguel? Si, seigneur Palnas. Et... Oui, j'ai un problème. Comment ça? Bah, j'ai des abrutis qui sont venus lancer une voiture de police sur mon poteau. Ah, mais Pablo, Miguel. Oui. Ah, ça c'est. Et moi, sauf y avait... qu'il y a des hommes à vous dans le paquet. Ah putain, lesquels? Je sais pas, il y a des blancs. Il y a des blancs, il y a des gris, il y a des noirs, il y a des jaunes. Ah, si, il y a toutes les couleurs, on est tous venus voir un coup chez vous. Oui, ouais. Ça c'est pas dérangeant. Oui. Le problème c'est que c'est que vous venez avec une bagnole de flic qui se retrouve dans l'eau. Il y a deux mains. Oui, ma problématique. Quelle est l'espèce d'abruti qui a poussé une voiture des flics dans l'eau au Black Cat? C'est si vous on voulez qu'on soit. Non. Eh oui, mais si vous voulez qu'on soit bien accueilli au Black Cat, que la personne qui a fait ça, il s'excuse auprès de M. Balnas. Ah ouais, y'a pas d'autorité de bonne enquête. Bon, bah, la main, c'est une. Une voiture, une photo de la voiture qui plonge, c'était incroyable. Si, incroyable cette voiture. Seigneur Balnas? Oui. Il va venir s'excuser. Par contre, je note que les 4 autres ils sont allés directement au Black Cat sans venir faire du vélo avec nous. Ouais, et c'est pas tellement pour le team building, non? Ah ouais, non, clairement pas. Hein. Bon, mais on peut boire un coup, non? Bah ouais. Bah, on va rester dehors. Ouais. Donné, il est malade et après il arrive. Merci. Il passe aux EMS. Seigneur le Palnas, comment allez-vous? Ça allait. Oui, ça fait du monde, non? Oui, ça fait. Mais c'est pas ça le problème. Moi, c'est les deux hélicoptères du SPD qui me font chier.
Il avait les appeler. Non, non, mais c'est réglé. Ah, c'est bon, c'est réglé. Réglé. Okay. Ils sont partis. C'est Weasel News qui est là. Ah, c'est Weasel News. Ouais, à mon avis. Vous avez fait du drama. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Un fun course. Bon, il a essayé d'avoir Mademoiselle Jones, mais elle répond pas. Bah, c'est pas. Elle est pas derrière avec les deux personnes en orange. Non. Ah, c'est... Ah, ouais, non c'est... Ah, ouais. C'est Alex d'ailleurs, James. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez résolu votre problème de jalousie là? Oui, nous. Ça semblait mal parti. Qui c'est qui faisait les jalousies? Je sais pas. Non, mais on est venu livrer Tim. Si. Et moi, j'ai entendu qu'elle a dit à Tim: bonjour, ma chérie. Mon chéri. Tim, Tim, lesquels? Bah, le nôtre. Non, moi, j'ai entendu non, pareil. Non, 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 après, il veut pas de problème. Non, 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 non. Et on peut trouver une solution et tu Tim tout de suite. Mais il s'avère que j'ai mal entendu, donc tout va bien. Ah, oui. Donc, de toute façon, non. Vous avez entendu, ouais, ouais. Mmh. Oui. Mmh. Non, elle l'a pas dit. Mmh. 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 Oui, mais Tim, ça sert Tim, c'est mérité. Il faut pas que la copine, c'est dans le palnas, ça s'appelle Shelly, hein. C'est pas possible. Bah, surtout pas devant lui, quoi. Pardon oui. Sinon, il va être obligé d'être tué. Nick, c'est qui le chef des ELS? Qui c'est qui la... C'est Alex James. Davenport. Oui. Oh, okay. Si, ça a appelé Shelly tout à l'heure. Ah bon? Faut pas ça, hein. Et quand? Mais je pense réellement qu'elle l'a pas dit à moi, mais après je... Elle l'aurait dit quand? Mais bah, quand on est arrivé, et qu'elle vous a dit bonjour. Mais elle me dit qu'elle l'a pas dit. Donc, je la crois, vous savez, la confiance, voilà. Tout ça. Qu'est-ce qui se passe, ouais. Tim, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire? Tout ça. On n'est jamais sûr. Je l'ai pas j'en sais rien. C'est toi en relation avec la copine de Seigneur Parnas? Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est comment elle s'appelle votre femme? Donc en plus, toi en relation et tu sais même pas comment elle s'appelle? C'est du joli que... C'est de demander le nom. C'est un truc de fou. C'est la base. Tim, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est que cette image-là des manos? C'est quoi ce respect au niveau des manos quand même, hein? Je suis désolé, mais je comprends pas le souci là. Je connais pas votre femme. Et bah, vous êtes chiant. Et puis je ferai pas des choses avec votre femme. Vous êtes certain de vous? Parce que tu te trouves pas belle, sa femme? Elle est pas désirable, sa femme? C'est pas ce que j'ai dit, Miguel. Tu la trouves moche. Alors, ah bah oui, c'est ça. D'abord, dans un premier temps, c'est d'accord, le poulet. T'es tapé la femme des Seigneurs Palnas et después tu dis non, il est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Tim? Oui. C'est compliqué, non? Ah là, c'est compliqué, je comprends rien. Après, peut-être que vous pouvez me donner une information, monsieur Parnas. Ouais, alors faites gaffe. Là, c'est juste une question. Le numéro 0603, c'est vous? Non, c'est ma copine. Ah d'accord. Oh les problèmes, c'est bon. Ah. On va boire un coup? Ah bon, on va boire un coup. On va boire un verre ou pas? Oh bah toi, ouais. Allez hop. Avec ma pote de malade. Voilà, j'ai décidé de pas respecter les canapés. Et donc on n'a pas le droit de boire tant qu'on n'a pas vu les EMS, c'est ça? Attends, bah ils arrivent. Alors, bonsoir. Vous pouvez boire si vous le souhaitez, mais disons qu'après avoir bu, vous ne pouvez pas faire don du sang. Mais une fois que vous aurez fait un don du sang, on vous donnera le verre de votre choix gratuitement. Bon, les ballasses, comment ça va? Ça va. Bon, vous avez réglé votre histoire vous avez dit à des gens que c'était des cons, que vous avez baisé les wagons, j'ai pas tout compris cette histoire, non? Oh, c'est un malentendu. Mais oui, c'est réglé. Vous avez tenté une négociation avec la bite, c'est ça? Non, c'était même pas une négociation, on voulait pas leur prendre de base. Donc. Excusez-moi de vous couper dans votre discussion. Quand le monsieur Orange revient, tout le monde aura un verre de Ricard offert. Un verre de Ricard? Ah, cool. Un Ricard? Oui, c'est ça, de Ricard. Merci. Un Ricard, un petit jaune. C'était pas Tepeng qui m'a dit que c'était pas mauvais. Si, on parle bien du Ricard. C'est un whisky ou un Ricard? Non, de whisky. Ah, whisky, c'est mieux. T'as le nom de Whitgate, je te crois, t'appelles Ricard. Et c'est débile d'appeler un whisky Ricard. What the fuck? Bah, c'est bien ce qu'on dit, Ricard. Mais non, t'es pas Ricard, t'es Ricard. Ricard avec Ricard. Ah, les prénoms, Richard. Il pensait qu'on parlait d'un Ricard, c'est pour ça. Ouais, mais j'avais pas compris. Messieurs, excusez-moi de vous déranger. J'ai un verre gracieusement offert pour vous. Un verre de whisky chacun. Pour qui? C'est qui s'appelle Richard, non? Richard, ouais. Et oui, exactement. D'accord, et c'est pas un Ricard. Non, c'est pas un Ricard, c'est un whisky. Excusez-moi, vous foutez de mon accent? Pas du tout. Si, pourquoi vous dites un? D'habitude, vous dites un? Ça dépend des fois. En plus, tu fous ma gueule? Non. Si, tu fous ma gueule. Monsieur, je n'oserais pas. Comment tu t'appelles? Loël. Noël? Loël. Noël? Non, l'OL, avec un L.
L'OL comme les football? Ouais, comme l'équipe de foot. Un petit peu, oui, oui, peut-être. Vous l'écrivez pareil? L apostrophe ou L? Non, L-O-W-E-2-L. Toujours plus compliqué. Oh. Au Scrabble, ça doit marquer des points, ça. Sûrement. C'est quoi le Scrabble? Bon, je vous donne vos verres. Je t'expliquerai, t'inquiète. Ah ouais, t'as marre de merde, ouais. On te connaît, toi, Kem? Un 2, le Scrabble, mais bon, un 2. Ouais, un 2. Un 2, toi, t'étais, ouais. Ouais, deux. Ah, t'es comme le Madong. Oh, t'es comme... Ah, t'es pas vraiment comme le Madong, mais t'es un 2, toi, t'étais, ouais. Bonjour. Bonjour. Les positions, c'est par là. Ah, c'est pas là, les... D'accord, les Médicis, c'est bizarre. Et le monsieur en vert, il a dommage. Ah, bah voilà, impeccable. Et bonjour, qui veut me sucer? Bonjour. N'aime pas d'où s'agissait. Faites une belle queue pour le faire sucer, s'il vous plaît. Allez, monsieur avec mon collègue. Allez, vas-y, va avec le collègue, voyez, avec la dame. Attends, mais va t'es pas un mec. Alors, je vais vous laisser chuchoter. Moi, je choisis pas toujours. Ok, vous voulez me dire des mots doux. Et non, il peut vous chuchoter à l'oreille que vous êtes une belle femme. Ah, c'est gentil. Si. Et que vous savez, dans la vie, Miguel, il avait beaucoup de belles femmes. C'est gentil. Mais vous rougissez, oh, c'est mignon. J'ai les petites pommettes qui rougissent. Si. Alors, est-ce que vous avez bien mangé, bien bu? Justement, il y a bon coup. Ok, parfait. Oh merde, il y a de la fièvre. Oh. C'est quand vous voyez la fièvre. Et bougez pas, je vais vous donner un petit médicament, ça vous. Oh, qu'est-ce que vous me faites? Ça a l'air de me détendre, qu'est-ce qui nous arrive? Merci à vous. Ça va mieux pour la fièvre? Si, j'ai chaud quand je vous vois. Ok. Alors du coup, vous avez bien mangé, bien bu? Si, j'ai bien mangé, bien bu. Ok. Et c'est pas est-ce ce qui nous arrive? De l'alcool ou des drogues dans les 15 dernières heures? Non. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels non protégés dans les 15 dernières heures? Vous avez la voix qui a frétillé comme si vous ne vouliez pas que je dise oui. Non, il n'y a pas eu. On ne connaît même pas nos prénoms que vous posez déjà des questions comme ça. Ok. Alors, je vais vous laisser tendre le bras. Hop. Je vais vous mettre le garrot. Je désinfecte le pli du coude. Hop. Et je pique à 3. 1, 2 et 3. Hop. Est-ce que vous vous sentez toujours bien? Oui, ça va, mais là. Donc pensez à bien boire, bien manger. Bien manger. Si vous sentez mal dans les prochaines heures, n'hésitez pas à passer nous voir. Si. Le bandage à garder pendant au moins 2 heures. D'accord. Et merci beaucoup pour le don du sang. Si. Et si vous voulez me rappeler, mon numéro, c'est 3997. Mais go, il faut en laisser pour les autres, hein. 3997. Si, si vous voulez me rappeler, vous me rappelez. De temps de film. C'est vrai, aussi, c'est vrai. Ça va, t'as 2 secondes, je discute avec la dame, bordel de merde. Ouais, le garçon, il... Et respecte un peu, moi, j'aimerais bien que ça se fasse correctement. Voilà. Il connaît même pas votre prénom. Non, c'est Léa. Léa, il veut le tenir, Léa. Pablo, t'es gentil avec Léa. Voilà, maintenant, on peut bigoler. Bref, moi, je vous fais des bisous, je vous dis... Garcia, Milan. Ouais, j'ai vu Nico tout à l'heure, il m'a filé un papier à te donner. Un papier? Ouais. Alors attends, je t'envoie ça. Oh là, un papier, qu'est-ce que c'est que c'est des papiers encore? Attends, il y a des fois. Ok. Donc, monsieur Miguel, grâce à vous à la mano, j'ai pu m'acheter un bateau. Je vais enfin pouvoir essayer de retrouver ma famille. Il est parti? C'est pour ça qu'il m'a demandé d'aller à la banque tout à l'heure. Vous voulez retirer des sous? Comment ça, il va dire? Oh merde, il aimait bien Nico, moi. Bah ouais, moi, en plus, il m'a rien dit. Ah d'accord, bon, bah il est parti apparemment. Merci pour tout, monsieur Miguel. Nico. C'était quoi le souci? C'était un souci que c'était une bataille et qu'on l'a tué comme une merde. Bonjour. Bonjour. Si. Je sais pas ce que ça. Si, mais toi, t'es bien, t'es... Oh, tu manges des Kellogg's ou tu manges une personne? C'est les œufs d'hier soir. Ah, c'est les œufs. Ah, attends, j'ai pas suivi, qu'est-ce que c'est cette histoire des balas? En gros, hier, il y a Lana qui est dans son quartier et elle voit une voiture noire, une flash GT noire et blanche passer aux alentours, si tu veux. Donc, ce qui ressemble à la voiture de Mike, si tu veux. Elle appelle Ice-T tout de suite en disant: ouais, comment ça, les manos, ils viennent squatter le quartier, machin, tout ça.
Donc Aïsti il m'appelle, il fait ouais, Yalana elle s'excite un peu, elle croit que la flash GT noire et blanche c'est nous. Donc je fais. Donc je fais à Aïsti, t'inquiète pas, je gère. J'appelle Lana, ah, je te la démarre en 2 secondes, 3 mouvements, elle savait plus se placer. Bah en gros je lui ai fait une Pablo hein. Voilà. Je l'ai envoyé chier, je lui ai dit qu'on était pas ses potes et que si elle avait un problème avec une voiture, elle allait le stopper et s'il portait pas la veste, c'était pas un mano. Donc la prochaine fois qu'elle nous accuse à tort, il va y avoir des problèmes. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, ils ont pas des business, ils arrivent comme des talents, non? Attends, c'est pas fini. Derrière, j'appelle Audric pour lui mettre. Apparemment, c'est une tête pensante, donc je l'appelle, je lui dis va falloir gérer Lana parce que si. Audric. Ah si, il discutait avec Léa. Mmh. Si. C'est qui Léa? C'est celle qui m'a pompé. Ouais. C'est au début, elle m'a dit non, il n'y avait pas machin. Et después, en fait, attends, il était là-bas en discussion. En fait, elle pensait qu'il voulait la faire bosser. Il dit non, moi, c'est pas les médecins qui y veulent, c'est la jeune demoiselle d'Alien. Et elle m'a dit, ça serait avec plaisir d'apprendre à vous connaître aussi. Mais quand j'aurai du temps, qu'elle est actuellement planning chargé. Ah ouais. Je crois que j'ai trouvé une radio. Non, pas tout de suite. Ça parle dessus. Non, je radio de qui? Je sais pas, 535. Attends, pas tout de suite, je t'expliquerai après. Il y a des gens, ils parlent dessus, je sais pas qui c'est. J'ai dit yo tout à l'heure, ils m'ont répondu yo. J'ai un petit truc à dire. Du coup, je l'ai laissé, mais, d'abord, là, ça je vais parle vous raconter plus, la dernière. Mais depuis tout à l'heure, ça parle. Est-ce que vous savez la différence entre un tampon et un téléphone? Attends, Al, comment on est arrivé là? Hein? Une différence entre un tampon et un téléphone? Ouais. Vas-y, t'écoute. Avec un tampon, c'est au moins qu'il est au bout du fil. Ça sert à rien, clair. Non, non, vraiment, c'était pas. Mais je crois que j'ai compris qui c'était. Moi aussi. Il y a quoi que t'as trouvé la fréquence des groupes 6? Bah, c'est ce qui me. Concernant la place libre, là, ils commencent à tous un peu s'interroger, donc je les ai un peu tous mis en compétition sous Ken. Si. Et j'ai quelques noms qui sortent de. Du lot quand même. J'ai. Simon. Qui est souvent là. Mike, qui j'ai l'impression ne dort jamais. Et j'ai James, s'il faut un top 3. Mike, et Mike, ça fait longtemps que ça. Mike, ça fait longtemps, et malgré les histoires qu'il y a eu, il est toujours là. Et c'est lui qui est là, non? Oui. Ouais, c'est lui. Mike, comment ça va? Je sais pas pour qui, mais ouais. Ça va. Et vous? Et ça va bien. Il venait prendre des nouvelles un peu, Mike. Oui. Il y a eu des soucis il y a longtemps, non? Bah avec Fabio, oui. Si, tu t'es retrouvé baisé un peu dans une histoire ou... un petit peu, ouais. Et toi, tu veux toujours rentrer la main, non? Oui, c'est ça. Ok. Bon, c'est bien, on va voir ça. On va en discuter. C'est possible. D'accord. Et s'il doit te demander, dans les autres petites mains, qui pour toi c'est une bonne personne à la mano? De ce que je connais, je dirais Simon. Simon, pour avoir travaillé avec lui, c'est un bon gars. Il bosse plutôt bien. Il me semble assez fiable. Il allait répondre lui-même, mais. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. Et tu sais ce que ça engage de l'entrée à la mano? Oui. Dis-moi. Ben, quand on y rentre, on n'y sort pas. Si, on peut sortir. Ouais. Oui, mais... juste dans le bâtiment à droite, là-bas. Si, c'est possible. Sinon, comme je l'avais déjà dit, pour moi, c'est une famille, et donc on ne doit pas la trahir, on ne doit pas la fuir. On doit être fidèle, fiable. Pablo, on le teste. Allez. Tu peux mettre beaucoup dans ta voiture? 5 kilos. Y'a 5 kilos là-dedans? Ouais, c'est pas ouf. T'as pas une autre voiture? J'ai une Punto avec 30 kilos. Genre, y'a plus de place dans la Punto que dans là-dedans? Ouais. Attends-nous à côté de ta voiture. Ok, ça marche. Et dès qu'elle a fait ça, tu reviens. Le temps serait bien de l'envoyer récolter, mais pas tout seul. Je peux y aller, au pire des cas. Envoyer les toits et. Non, il veut qu'il se débrouille par lui-même, qu'il nous prouve la valeur. Tu vois ce qu'il veut dire? Il veut que tu prouves. Il va chercher. Pero, il fait les merdes, il s'est fait attraper. C'est un gros risque quand même. Faut prendre des risques, on va l'envoyer. On va l'envoyer là-bas. Si? Même pour 15 kilos, il veut juste qu'il y aille. Allez. Ok. Mike. Oui? On t'a envoyé chercher un colis pour nous. Ok.
ce qu'on va te donner comme information, si tu amenais à les péter, il était tu. Est-ce que tu vois Human Labs? Ouais. Derrière Human Labs, c'est-à-dire que tu vas derrière du côté de la plage. Ils ont là-bas les refoulements d'égouts. Là-bas, tu pourras récolter et récupérer des produits. Ok. Tu m'en amènes un maximum. Ça marche. Sans te faire griller. Si? Ouais, oui. Go, Mike. J'y vais. Bon, il faut qu'il y ait l'histoire des ballasses. Il va appeler Lana, d'ailleurs. Putain, un de ces quatre, il faut qu'il fasse son... Ah, Nicolas, qui voulait une commande aussi de 500 tout à l'heure. Oui, allô? Si, mademoiselle Summers. Oui. Il paraît que ça s'est pas bien passé ce week-end. Ouais, j'ai des gars qui m'ont mis un petit coup de presse parce que j'étais à un endroit qu'il fallait pas et que je savais pas forcément. Donc ok, j'avais compris le message. Sinon, ça va? Non, c'est pas pour ça qu'il appelle. Ça veut dire qu'il comprend qu'ici, vous venez sur les docks. Ces docks m'appartiennent. Ouais, bah ça, justement, c'est de ça que je te parlais. On ne savait pas, nous. Donc, mais tes gars m'ont fait passer le message. Il n'y a pas de souce, on ne foutra plus les pieds. Moi, ce qui m'embête plus, c'est ce que mes gars me disent, c'est que tu as appelé pour mettre un coup de pression à Isti, comme quoi il y a des gens qui viennent au nom de la mano chez vous et que c'est la dernière fois, sinon ça se passe mal. Ah, pas du tout. Mal compris. Ouais, il y a eu un quiproquo, parce qu'en fait, j'ai juste appelé parce qu'il y avait une voiture qui avait un peu vos couleurs, noire et blanche, et j'ai demandé à un de tes gars si c'était quelqu'un de chez vous qui était passé, parce que j'avais cru apercevoir deux personnes dedans avec vos couleurs. Et il m'a dit non, c'est pas de chez nous et tout, et j'ai dit ok, bah, pas de souci, excuse-moi de t'avoir dérangé pour ça, et puis c'est tout, quoi. Et derrière, il y a Pablo qui a appelé Audric et qui m'a rappelé derrière en disant « Oui, c'est la dernière fois que tu fais ça, machin truc, t'as mis un coup de presse à machin, alors que pas du tout, c'était pas du tout un coup de pression, c'était juste un renseignement, tout simplement en fait. » J'ai jamais eu aucun coup de pression envers un bout de terre. C'est compliqué chez vous, ni à toi chef, vous n'êtes pas tous d'accord, vous n'avez pas les mêmes... Certains veulent bosser avec les Los, d'autres avec nous, certains veulent... Si, d'autres veulent ça. Il y en a un qui nous appelle pour une cargaison, l'autre qui nous appelle pour nous dire d'accord, mais quand les deux seront du business, on ne parle avec eux, on vous emmerde. C'est que... Ça va pas bien finir, cette voie. Écoute, ça, je sais pas. Ça, je laisserai voir avec les chefs de ce qu'il en est. Il va voir avec un de tes chefs pour essayer de comprendre, mais... Yep. J'aime pas quand les gens jouent à pipo et tremolo. Oh non, mais je pense qu'il y a beaucoup de quiproquos et que ouais, une entrevue, ça sera bénéfique pour tout le monde. Pour mettre les choses à plat. Pas de soucis. Bon courage, à tout à l'heure. Bon courage, à tout à l'heure. C'est qui les chefs des ballas, si c'est jamais? Nicolai. Nicolai, c'est chef. Et tout le numéro de Nicolai? Ouais. Donc ça, c'est chef des ballas? Un des trois chefs. Nicolai, ballas. Oui, allô. Seigneur Nicolai. Oui. Je suis Miguel. Salut. Et je suis pas ton copain, tu me dis pas salut comme ça. Sinon je viens, je te découpe toi et tes amis. C'est quoi le problème là? Tu montes pas d'un ton tout de suite en mode t'es un mec des cités. Il paraît que les ballas ils veulent mettre des coups de pression. Donc quand tu fais la petite mail devant les Lost, où les Lost disent on s'en bat les couilles, s'il faut on vient avec vous et on les bute, il va falloir se détendre tout de suite. Oula, attends, j'ai loupé un épisode moi, comment ça les Lost quoi? Attends, tu peux m'expliquer ça tranquillement? Moi tu le ramasses à moi. Il est passé. Ok, tu passes au quartier. Dieu chef de venir me voir, mais les autres ils restent là-bas. Un chef, pas à toi. Il m'en fout d'avoir trois personnes. Ouais, Miguel, c'est moi. C'est Lewis, du coup. Je t'écoute. Lewis, et ça se passe bien avec toi? Bah ouais, en général, ouais. Il essaye de comprendre ce que c'est le bordel chez les ballas. Vas-y, je t'écoute. Quel est le problème, du coup? À un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un chef, pas 20 000,
parce qu'il y a un chef qui passe par le dessus, hein, qui passe par le dessus, hein, qui donne pas les mêmes informations, qui fout la merde, qui menace, qui arrive comme un boulet, qui en a rien à foutre de rien. Nous, on n'a pas de problème à bosser avec les ballasts, mais à un moment donné, quand on reçoit un appel des ballasts qui dit que il pourrait nous arriver des bricoles, qu'est-ce que c'est ça? C'est le numéro? Ah si, peut-être Lana. Vas-y, Lana? Si, qu'elle appelle Aisty pour dire qu'il y a des hommes de la Mano qui traînent chez eux et qu'il pourrait arriver des bricoles. Ah bon, elle m'a pas dit ça comme ça pourtant. Elle m'a dit que c'était une petite main et qu'elle avait appelé Aisty pour savoir qui c'était. Non, elle a appelé pour lui dire qu'il y a quelqu'un de chez vous qui traîne chez nous. Ouais. Ça pourrait mal se passer. Ok. Attention, mot, c'est important. Ouais, bah c'est ça que. Moi j'ai pas les mêmes infos, c'est pour ça. Pourtant, moi j'ai les infos des deux mecs de chez moi qui disent ça. Ok. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Vas-y, Paul, vas-y. Je t'écoute. Lana a appelé Aisty. Ok. En lui disant comment ça se fait qu'il y a un mano qui passe. Je te le dis comme ça m'a été présenté. Vas-y. Aisty qui me dit il y a Lana qui m'a appelé. Elle m'a appelé en me disant ouais, comment ça se fait qu'il y a une voiture de chez vous qui passe devant chez nous, machin. C'est inacceptable, faut pas que ça se reproduise, machin. Aisty m'appelle, il me donne cette info. Ni une ni deux, je fais quoi? J'appelle Lana et je lui explique la vie. Je pense qu'elle a dû t'expliquer la discussion que j'ai eue avec elle. Ouais. Comme je lui ai dit et je le répète, on n'est pas vos potes. Si vous avez un problème avec une voiture noire et blanche, vous la topez. Si le type il a pas le blouson, c'est que c'est pas un mec de chez nous. Okay. Donc c'est pas parce que la voiture elle est noire et blanche que c'est un mec de la Mano. Ouais, bon. Parce que nous on n'arrête pas non plus toutes les voitures violettes en disant c'est les ballasts. Mm-hmm. Ou le mec qui porte une casquette violette, on dit pas que c'est un ballast. Mmh. Donc faites-en de même. Ah ouais, je sais pas pourquoi elle va pleurer s'il est pas rentré dans notre quartier. Surtout que, enfin, comme je vous dis, gérez vos problèmes vous-même. Vous avez une voiture noire et blanche qui passe, topez-le. Mmh, bah ouais. Après s'il est passé vite aussi, c'est... Et bah après ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. Mais dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à le choper, ne nous appelez pas. C'est pas faux. Mais je sais pas pourquoi t'as appelé. Hein. En vrai, elle aurait dû juste nous en parler à nous et puis c'est tout. Mais moi quand j'ai au téléphone, Nikolai. Et qu'il est là, salut, tu vas bien, là-bas, la famille, mais il connaît pas, d'où une balle comme ça. Ok, ouais. Non, 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 et puis il monte un ton. Ah. C'est pas son pote. Non, mais après, il faut. Ils sont pas. Comment dire. Ils sont pas habitués à ce genre de choses, tu vois. Après, c'était pas vraiment en gang et tout, donc. C'était compliqué, quoi. C'est de comment s'adresser à quelqu'un qui est plus haut placé qu'eux sans le savoir et tout, tu vois. C'est même pas plus haut placé ou pas, c'est une question de respect. Bah oui, mais même. Il t'appelle pas en disant, il est malgré qu'il vous voit tout le temps, tout le monde. Mais autant qu'il vous a déjà dit, aujourd'hui, les ballasts, c'est personne. Vous avez même pas réussi à faire noter votre quartier par le gouvernement. Ça, c'est vraiment, ils sont en train de mettre à jour tout ça. Oui, ouais. C'est pour l'appeler. Les gars de la Mano. Pour reprocher des trucs où vous êtes même pas sûr, avec des choses où vous êtes même pas vrai, pour leur mettre un coup de pression, la prochaine fois qu'il y a un dans votre quartier, vous allez pas aimer. Donc maintenant, il est même fou qu'avant c'était pas une gang qui préférait être chef d'entreprise ou camionneur ou j'en sais rien. Ou ils comprennent, ou ça se passe pas bien. Et ils sont pas les seuls à le dire. Comment ça? Et qui dit ça aussi? Les Lost, ils ont tendance à dire que pour eux, c'est un problème aussi, les ballasts. Ah bon? Dans quel sens? Dans le sens où ça prend des... Ça prend de la confiance où on est obligé de mettre des petits taquets. Ah bon? J'ai pas eu ce... J'ai pas ce genre de relation-là avec les Lost. Si. Après, Lost, c'est comme d'habitude. Beaucoup des paroles valent derrière, très peu valent devant. Ça m'étonnerait quand même de Teller de foutre... Enfin, de pas me le dire comme ça, tu vois. Teller et moi, on se connaît très bien, mais... Tout à l'heure, Omega, il m'a dit, de toute façon, il m'en fout, il a mis de taquet régulier. Ok. Qui reste à leur place. Bah, je... ok, c'est bizarre. Discutez-en entre vous, au ballast. Apparemment, il faut vous discuter à toi, et qu'il est dans les trois, il y a un vote, et que... Et quand vous avez voté, et quand vous avez envie de bosser sur une bonne façon de bosser, vous appelez. Ok. Bon, sur ce, ouais, on va discuter de ça et puis bah, on verra vers toi après. Vas-y, va. Mais ils vont discuter là, devant chez nous. Et c'est même sourd, ils vont discuter devant chez nous.
Tu veux que je les dégage? Ouais, va les virer. Gentiment, mais... C'est pas la fête au village, c'est pas Disney ici! Ils ont déjà discuté? Ah non, c'est les verts, ça! Merde, je me suis trompé, les verts, ouais. Putain, ils sont venus en bus! Il vient faire une visite de courtoisie pour se présenter, ces gars. Ah, ils ont des mecs faire une visite de courtoisie pour présenter, ces gars. Bonjour. Mais vous croyez que vous étiez une succursale des Vagos, pas des Manos, pour pouvoir faire les présentations des troupes? On n'est pas des succursales, tranquillement. Ah bon, mais j'ai entendu que vous étiez une espèce de succursale des Vagos, c'est pour ça. Ah bon. Il vous demande juste un instant, Seigneur Diouf. Excusez-moi, Seigneur Diouf. Affaires, toujours les affaires. Ah, toujours les affaires, monsieur Négoal, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Oh, bah écoutez, on venait faire une petite visite là, parce qu'on vous a pas vu depuis longtemps, là, depuis les courses de voiture. Si, c'était bien, ça, faudrait faire ça à l'occasion. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Ah, c'était lourd de ouf, hein. Mes gars, ils ont kiffé. Hein. Et vous organisez ça à votre tour, non? Ah bah écoutez, avec Vespucci, souvent on fait des petites courses là entre nous, on a trouvé un petit système assez sympathique, je pense que faire ce système là à plus grosse envergure par la suite, ça pourrait être vraiment vraiment cool. Si. Mais faut réfléchir comment préparer les choses de manière carrée. Ah du coup on venait voir un petit peu chez vous là, comment ça allait en ce moment, ça charbonnait, parce que bon, il y a eu quelques petits problèmes là récemment, les Lost ils ont perdu leur champ de cocaïne. Si, les Lost ont eu un petit problème, si. Ah ouais, hein. Sacrée histoire. Hein. Là, je les ai croisés la dernière fois en sortant du poste de police, ils étaient 5 franchement. Ah, ils avaient la mine, c'était pas bien. Mais du coup, voilà, ouais, on venait vous voir un petit peu, voir comment ça allait, tout ça. Si, ça va bien, impeccable. Et vous, ça va? Eh ben écoutez, nous ça va, on a vu chez vous que vous aviez un super tag là-bas sur le mur. Avec un graffiti ouf, hein. Ah graf. Ouais. Si, ça claque. Venez, venez voir, venez voir les plus près. Ah, ouais. Ah, venez voir. Voilà, ils connaissent cette voix, non? Ouais, ouais. Ah, c'est Alexei, ouais. Voilà. Oh, comment ça va, monsieur Alexei? Mieux. Et si, mis des votes balles dans la tête? Bah, en fait, c'était 5 balles dans le corps, mais ouais. Ah, y'a pas tout compris, y'en a qui étaient contents, mais... Donc vous récupérez, en plus de tout ce que le sale des Vagos, seigneur Dieu, vous récupérez les... ceux qui essayent de tuer? Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Oh, c'est bien, on ça. On m'a aidé, hein. Alexei, vous savez, c'est un ami depuis que je suis arrivé en ville, il m'a aidé dans pas mal de choses. Du coup, à partir du moment où il a eu des problèmes, j'ai préféré le prendre sous mon bras pour qu'il lui en arrive plus, vous voyez. Des fois, il faut trouver une famille, la bonne famille. Il y avait déjà eu cette discussion avec vous, monsieur Alexei. Ouais, bien sûr. Vous trouvez des fois la bonne famille, c'est... C'est comme tout, trouver les bonnes familles, les bons partenaires commerciaux, les bons travails. C'est une histoire, une fois, il a raconté à une personne une chose, une proposition commerciale. Et il dit à cette personne qu'il lui proposait de travailler avec moi. Cette personne a donc foncé et raconté à son premier pourquoi il avait une nouvelle proposition commerciale. Ce qui fait que la personne de base est venue me voir en voulant... péter un plan. Ah ouais. Puis il est mort. Ah ouais, c'est... Ah, la chute elle est... brutale. Elle est brutale la chute. Ça tombe d'un coup. Hein. Ah ouais. Ah bah c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce qu'on fait et ce qu'on dit, hein. C'est important en ville. Hein. Moi de toute façon tous mes petits je les brief. Hein. Je leur dis de pas faire de bêtises, de rester poli, de rester droit et carré dans leurs bottes. Hein. Faut pas faire si, les enfants, je sais pas quoi. Soyez carrés, ne faites pas comme Seigneur Diouf. Allez pas raconter ce qu'il entend à Smoke rapidement, ce qui évite après à Smoke de crever comme une merde. De quoi? Comment ça répéter ce que j'ai dit à Smoke? Vous parlez de quoi, monsieur Miguel? De la proposition commerciale que je vous ai fait. Il y a de cela 10 jours qu'il y a eu après la visite de Vagos. Ils m'ont dit que Seigneur Diouf était venu tout de suite raconter. Ah ben ça c'est un mensonge. Hein. Qu'il avait indiqué les prix, les pourquoi, les comment. Ah non, non, non. Non, non, non. Moi j'ai gardé toutes les informations pour moi quelques jours. Je sais que j'en ai parlé à Smoke 2 jours plus tard. Mais on parlait de tarifs quoi, c'est du biz. Si, après si eux, ils ont fait des conneries, hein, c'est leur problème. Hein. Ils font des bêtises. Mais ça c'est pas nouveau. Ah ben écoutez, les Vagos, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Nous, nos bises, ils sont carrés, y'a pas de problème. On voit en fonction des tarifs, quoi, des propositions. On a une force de vente assez violente, là, en ce moment. Les gars, ils bossent dur. Hein. Du coup, bon, on essaie de voir un petit peu si tout le monde peut y gagner son compte, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez trouvé comme un arrangement avec les Vagos? Ah, on a de très bons arrangements avec les Vagos, monsieur Miguel. Hein.
On a des tarifs très intéressants. Mais faut dire aussi qu'on comprend en gros. Vous savez, Seigneur Diouf, il connaît suffisamment les Vagos pour savoir la proposition qu'ils vous ont fait. Et vous n'avez pas besoin de me dire que c'est une vente en gros. Apprenez à pas trop parler. Il vaut mieux ne pas donner une information que de mentir. Quand vous ne donnez pas l'information, la personne en face ne se sent pas offusquée qu'on l'ait pris pour un con. Par contre, à partir du moment où tu vous donnes une information qu'elle n'est pas bonne, que c'est potentiellement un mensonge, la personne peut se sentir offusquée. Et il y a rien de pire dans une business d'une personne qui a l'impression de se faire baiser. Vous comprenez? Oh, ben je suis d'accord avec vous, monsieur Miguel, hein? Si. Donc moi, je pense que vous allez récolter pour les Vagos. Et qui después... Ah, faites moi, je pense ça. Hein. Une bonne répartition. Peut-être 50-50. Ça, c'est si vous êtes bien vu. On travaille, et souvent, un, peu pour, bien. Un peu pour nous. Si, c'est ça. Vous faites la moitié du chemin pour eux et después, si vous laissez une marge. Mais ils faisaient déjà ces propositions avant que vous arriviez. Ah bon? À qui ça? À nous. Ah oui. Croyez qu'on est monté comment? Ah bah écoutez, moi j'en ai aucune idée, hein. Je fous pas trop mon nez là où ça me regarde pas, vous savez. Si. Je demande pas d'informations sur les gens qui ne me regardent pas, ou avec qui je fais pas de bise, ou avec qui j'ai pas de problème. Hein. Moi je sais que vous êtes un homme de business, monsieur Miguel, hein, je l'ai toujours dit. Je l'ai capté dès le premier jour. Vous avez des façons de faire qui sont très, très légitimes, hein. Et je les respecte. Mais je sais que vous êtes quelqu'un qui pense d'abord à votre bise. C'est louable, évidemment. Vous imaginez bien que, pour moi, la finalité n'est pas dans le trafic de drogue. Il faudra donc que, lorsque le moment est venu, et que mon ambition sera récompensée, il y a tout un quartier, une gang, une personne, qui est considérée comme proche de moi, qui pourra récupérer mon business actuel. Dans le cas où Seigneur Benson... Ah, je connais pas ce monsieur Benson. C'est le chef de cartel. Ah oui. Ah. Celui qui m'a parlé avec la vape, ça. Si, la vape, c'est Seigneur Benson. Ah, c'est lui, tu l'avais dit. Ouais, bah, regarde, il est trop cul, bien. Attends, vas-y, imite-le, parce que moi, je connaissais pas, mais apparemment, il fait trop bien. Vas-y, fais-le. Vu. Ça va, man? Il y a un problème, man. Il est pas là, le chef? Apparemment, il fait comme non, ça, ouais. Non, il est pas là. Et la personne en dessous? Non. Ça va être un problème, man. Il va leur dire que je les cherche. À peu près. À ah peu ouais. Près. Moi, je l'ai jamais vu, mais apparemment, c'est hyper ressemblant. Ouais. Je souhaite pas répondre à cette question parce que si jamais il sort du buisson, moi, il veut pas être là. Ouais, c'est ça, moi, d'accord. Personnellement, il hésite encore et il comprend pourquoi il a pris plusieurs balles dans le corps. Il hésite à faire la même par sécurité si jamais Seigneur Benson a entendu ce qui vient de se passer. Il pense que vous allez avoir à vous placer. Ah, je pense aussi. Je pense que c'est mon blanchisseur qui me recommandera vu les chiffres qu'on lui a envoyés cette semaine. Je sais pas comment fonctionne le cartel, ça, M. Miguel, mais... Nous, tout ce qu'on fait, bah, c'est charbonner. Ils viennent t'expliquer comment ça se passe, hein. Ouais. Ils aiment bien le travail bien fait et... que ça c'est ça. On aime et le travail bien fait. Charbonner. De toute façon, on n'est pas trop des gens à histoire en général, hein. Moi, l'information que le cartel m'a donnée est simple. Il vous la donne tel quel. Il voulait te proposer mieux, mais Perro, pas encore, il veut te tester avant. Voici la méthamphétamine. Je vois. Donc ouais, c'est un test et il y a un plus gros business qui arrive derrière. C'est ce que le seigneur Benson m'a dit. Si c'est pas indiscret, vous faites combien de chiffres d'affaires par jour en moyenne? Par jour, je sais pas, mais enfin 1 million par semaine. Bah écoutez, monsieur Miguel, on va réfléchir à la proposition, on va voir si. Avec mes gars hein, un petit peu ce qu'il en coûte, ce qu'on peut faire, ce qu'ils en pensent. Et on verra d'ici quelques jours pour vous faire un retour, si cela vous va. Si la réponse est positive, j'accepte pour éviter de grailler Alexei. Vas-y, ça marche. Ça. Par contre, la petite proposition. Non, non. Vas-y, ça marche. Merci à vous d'être passé. Eh ben merci à vous, hein. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, monsieur Miguel. Je vous en prie, bon courage à vous, bonne journée. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Va de soi. Est-ce que t'as déjà entendu un djembé qui fait ce bruit? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouh là.
grande roue s'enflamme sous mon chant infâme. Où tout le monde s'enjaille sur mon tam-tam. Plus personne ne veut de ma weed. Je vends de la weed. Richard Holman, j'ai un casier judiciaire car j'ai voulu rendre une voiture au BSFP, au BSFP, au BSFP, au BSFP, au BSFP, au policier du nord de la ville.